Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un haul Primark. Donc en principe ça devait être un haul solde, mais bon vu que j'ai presque rien trouvé en solde de la base, ça sera un haul non solde. C'est parti. Alors je vais pas faire mode accessoire, je vais prendre ce qui me vient directement dans le sac, ça sera plus facile. Alors tout d'abord je me suis acheté cette paire de pantoufles, voilà, tout en pilou pilou. Elle m'a coûté 3 euros, donc pour le prix, je ne me suis pas privée. Ensuite, je me suis pris des polissoirs pour les hommes. Voilà, j'en avais plus, donc c'est très bien. Ils m'ont coûté 1,50€, donc pas très cher. Je me suis repris des lingettes pour les mains. Elles sont vraiment super, elles sentent super bon. J'ai rien à dire, et pour 1€... ça vaut le coup quoi. Je me suis pris un pyjama pilou pilou. Je ne l'ai pas ouvert encore. Il est comme ceci. Donc il est blanc. Avec un petit ours, je crois. Je crois que c'est un petit ours. Et le pyjama, il est comme ça. Le bas, pardon, il est comme ça. Toutes des pattes, c'est tout doux. Celui-ci, il m'a coûté 10€ l'ensemble. Donc je ne me suis pas privée. Bon, mon copain ne va pas être super content. Collection de Noël, je crois. Cette chemise, celle-ci, elle était en solde. Au lieu de 15€, je l'ai eu à 8€. Voilà, elle est comme ceci, elle est simple. Hein. J'adore. Elle est toute chaude par contre, donc c'est super. Voilà. Ensuite, je me suis pris un jean. Donc comme ceci. Voilà, donc il est un peu déchiré et en bas il est comme si on l'avait coupé, donc ça retourné, je trouve que ça fait super beau. Voilà, hop. Il est un peu taille haute, donc impeccable. Derrière il est comme ceci. Celui-ci il m'a coûté 19€, c'est de la nouvelle collection. Voilà. Hop. Ensuite je me suis trouvé ce tricot, j'adore, il est trop canon. Alors oui, c'est Mickey, et je m'en fous, moi j'adore. Hop, bon il est froissé, excusez-moi, hein, il est dans le sac. Voilà, je l'ai pris en taille S. Tous les articles, pardon, je les ai pris en taille S, ou les jeans en 36. Et celui-ci, il m'a coûté 8€. Toujours dans les non-soldes. Ensuite, je me suis pris un legging. Comme ceci, noir. Par contre celui-ci je l'ai pris en 34 parce que je trouve qu'il taille grand et il me va un peu serré, mais à force de le mettre il va bien se détendre, donc voilà, on va pas très bien, je sais pas si vous voyez bien parce que là la luminosité est pas super. Il y a deux poches derrière, c'est ce que j'aime parce que sans poche je trouve que ça n'est pas joli. Et celui-ci il m'a coûté 7,50€ au lieu de 8€. Super la solde, mais bon. Je me suis pris un top comme ceci, je le trouve magnifique. Tout devant là, avec les petits volants, je trouve que ça fait tout son effet. Il est hop, plus court devant que derrière. Il est un peu transparent, donc à mettre avec un petit top en dessous. Et celui-ci m'a coûté 7€ et pareil, il était de la nouvelle collection. Voilà. Alors là, pardon, dans les pyjamas, j'ai pris que le bas parce que le haut, je voulais pas l'ensemble, en fait, je voulais juste le bas. Je me suis pris ce pyjama-là. Hop. Alors. Harry Potter. J'adore trop. Il est magnifique. Il est resserré en bas. J'ai pris une taille S. Voilà, c'est un faux, c'est un vrai. Non, c'est un faux élastique, donc vous ne pouvez pas le serrer à la taille. Voilà, mais c'est pas grave. Et celui-ci, il m'a coûté 10€. Mais bon, c'est pas grave, je le cherchais partout, donc je suis trop contente. Voilà. Je me suis pris un basique noir. On a toujours froissé, hein, mais on n'a pas eu le temps de repasser. Hop, je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 3,50€. Donc, rien du tout.
le dernier top que j'ai pris pour moi, parce qu'après j'ai pris trois trucs pour mon fils, c'est celui-ci. Toujours de la nouvelle collection, donc c'est un joli kaki, un peu transparent également. Voilà. Ce que j'aimais bien, c'était qu'on pouvait. C'était le lassage en fait, juste devant. On va voir cette étiquette. Voilà. Et celui-ci m'a coûté 11 euros. Donc ça va, c'était pas très cher pour une nouvelle collection. Et pour mon fils, j'ai trouvé que trois trucs, donc trois tricots. Donc je lui ai pris celui-ci. Voilà, j'adorais le col et tout comme ça faisait. Celui-ci, je l'ai pris en... Quelle taille j'ai pris déjà? 18-24 mois. Parce que je l'habille en 2 ans, mais je trouvais que ça faisait grand quand même chez Primark. Et il m'a coûté 8 euros. Ensuite, j'ai trouvé ce magnifique pull. Il est vraiment tout doux. Pareil, 18-24 mois. Il est très doux. À l'intérieur, c'est pilou-pilou, là, comme ça. J'adore. Il va être trop beau là-dedans. Voilà. Et celui-ci, par 4 euros. Donc, encore moins cher. Voilà. Pas en promotion, hein. Toujours dans leur prix normal, basique. Et celui-ci, par contre, il était en promotion. C'est un petit top... simple quoi, pour mettre sous les pulls ou quand il fait pas très chaud, quand il fait pas trop froid, pardon. Voilà, celui-là je l'ai pris pareil, 18-24 mois, et celui-ci il était à 1,90€ au lieu de 2€, 10 centimes de réduction. Donc voilà, mieux que rien. Hein. Donc voilà, mon haul Primark est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!